Ouattara, c'est un has-been. Spirituellement, Alassane Ouattara, c'est terminé depuis longtemps. C'est notre division. C'est notre incohérence. C'est notre incongruité. C'est notre manque d'opiniâtreté qui maintient Ouattara là. Regardez les résultats que Ouattara donne. Chaque jour, on entend parler de détournement. Chaque jour, on entend parler d'échec. Chaque jour, c'est scandale sur scandale. Même ses partenaires français, américains, européens, sortent les dossiers sur sa femme. Hier, vous voyez ça de Ouattara. Ouattara, c'est terminé depuis longtemps. Regardez la veille de la désobéissance civile. Ouattara a été obligé de venir commander une visite avec le président de la Colombie. Vous n'avez pas remarqué. Ouattara, c'est terminé depuis longtemps. Mais c'est notre incongruité, notre faim. C'est notre refus de nous battre, notre lâcheté, notre couardise. C'est la corruption de nos chefs, de nos guides religieux, de notre jeunesse, de nos femmes, de nos enfants. La corruption de nos partis politiques. C'est ça qui fait que Ouattara, sinon Ouattara, il y a longtemps. Regarde, observez bien, Ouattara, il y a longtemps, c'est fini. Regardez les résultats que Ouattara donne. Regardez comment on casse les besoins des gens. Vous pouvez imaginer que quelqu'un bien organisé demande de casser la maison des Là. gens, il ne les reloge pas. D'abord, pour faire ce sale boulot, il dégage un Ivoirien, c'est-à-dire Begré Mambé, il met un Guinéen. Pendant que le monsieur est en train Autre d'être figure. attaqué de tout le monde, Ouattara sort derrière pour dire qu'il faut qu'on mette un peu d'humanisme. Pendant que Ouattara sort derrière pour parler un peu d'humanisme, on voit un autre Burkinabé, si c'est Adama Bitogo, qui dit non, on ne m'a pas prévenu. Pendant qu'Adama Bitogo dit on va prendre. Donc c'est la cacophonie. Ouattara, il est fini depuis longtemps.